mon premier rallye ici en 1977. J'en ai loupé quelques-uns, mais les années où j'ai pas couru, j'étais quand même au rallyissime. En assistance, notamment pour Jean Aguerre pendant des années, et puis pour d'autres amis aussi, mais bon, j'ai toujours été au rallyissime. Ouais. Cette année, encore, c'est Pauline qui va être dans le baquet de droite. Oui, c'est Pauline, c'est ma fille. Oui. C'est ma fille, oui. Pauline a été bercée dans le rallyissime depuis sa petite enfance, hein. Donc elle m'a vu courir et puis un jour c'est elle qui a dit j'aimerais faire le rallyissime avec toi. Voilà, ouais. Et c'est comme ça qu'est parti. Mon frère qui était mon copilote attitré pendant des années, ouais, a laissé sa place et c'est Pauline qui a pris la suite. Mon premier copilote c'est Jean-Bernard Penck qui est actuellement au bureau du rallyissime, qui est une des chevilles ouvrières je pense aussi du rallyissime. C'est mon premier copilote, Jean-Bernard. Puis après j'ai eu Pierre Pouey à Montory. Et puis quelques occasionnels, mais très vite, c'est mon frère qui a pris la place à côté. Et puis le jour où il a été, lui, raisonnable, où il a décidé qu'il y avait un âge pour arrêter, c'est ma fille qui a pris la place. D'accord. Alors tu as une expérience importante dans tout terrain. On parle du rallye des cimes, mais je suppose que tu as participé à d'autres épreuves du championnat de France, par exemple. Oui, les épreuves locales. La ronde du Labour, le rallye d'Arzac, pratiquement toutes les épreuves qui ont existé, qui existent encore ou qui n'existent plus ici dans le sud-ouest. Le rallye le plus éloigné que je vais faire, c'est le Dunes et Marais à Royan. D'accord, voilà. Donc tu ne te déplaces pas quand même dans la région parisienne et tout ça? Non, c'est un des regrets que j'ai de ne pas avoir été. Bon, c'est d'abord mon emploi du temps ne me l'a pas souvent permis, et puis financièrement ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et puis c'est surtout le fait que j'ai une auto de montagne, j'ai toujours couru en montagne, pour moi le tout-terrain c'est la montagne. Et dis-moi, ton palmarès? Alors, mon palmarès, il s'est malheureusement arrêté à la place de Poulidor, à la deuxième place. Ma meilleure place, c'est 6e au rallye Essime. C'est dans la petite ronde de Bouchette et puis à la ronde qu'il y avait à Bussunaritz que j'ai réussi à faire un podium, mais je n'ai jamais monté la plus haute marche du podium. Voilà. D'accord, d'accord. En regardant la voiture qui est derrière toi, on peut dire que tu fais partie d'une grande famille, la famille Paciodi, puisque tu es un fidèle de la marque depuis fort longtemps. Et oui, oui, j'ai connu, comme tous les gens qui sont passionnés tout terrain, quand ils ont vu, il n'y avait que des Jeeps, quand ils ont vu arriver Montgorgé et Paciodi, ça a été un déclic, c'est les premiers qui sont venus avec des buggies. Et puis il se trouve que par affinité, et puis j'ai eu l'occasion surtout de m'occuper de la voiture de Jean Aguerre. C'est ce qui m'a permis de mettre le nez dans les Paciodi et puis me dire que c'était cette auto-là qu'il me fallait. Cette auto qui a eu déjà plusieurs propriétaires, je l'ai achetée en pièces lâchées finalement et puis je l'ai reconstruite petit à petit, voilà. En ayant celle de Jean Aguerre à côté, ça nous a permis de la faire évoluer, ça nous a permis en étant en rapport avec Yves Paciodi, on a pu continuer à profiter des améliorations qu'il avait apportées sur ses voitures, et puis voilà, c'est comme ça qu'elle est née. C'est une voiture qui est à 4 motrices, qui a un moteur Nissan, alors que les autres Paciodi ont un moteur Porsche. Voilà. Petite infidélité là. Et c'est une petite infidélité. C'est surtout le fait que dans la mesure où je suis un commerçant, enfin je suis un artisan, en ayant l'auto de Jean Aguerre qui avait un moteur Porsche, il aurait été malvenu que je mette aussi un moteur Porsche, parce que si j'avais été devant lui, il aurait dit que j'avais le meilleur moteur. Alors pour couper court à toute polémique, j'ai mis un moteur d'une autre marque. Et puis bon, il se trouve que c'est quand même un moteur qui est moderne et qui va très bien sur cette voiture. D'accord. Donc c'est une préparation personnelle. Tu as dit que tu avais fait appel à Yves Paciodi quand même pour quelques conseils. Il y a d'autres personnes comme ça qui ont mis la main à la pâte pour faire évoluer cette voiture? Oui, il y a surtout un réseau d'anonymes, des tourneurs, des fraiseurs qui travaillent, qui ont amené une petite pierre à l'édifice. Parce que c'est quand on a un Paciodi, on peut pas copier. C'est pas comme si on est chez d'autres familles de constructeurs où, sans citer les noms, dans les parcs, on voit 10 voitures ou 15 voitures d'une marque, 10 ou 15 voitures d'une autre marque, et ils sont obligés de faire une décoration différente pour pas qu'on les confonde toutes. Mais quand on regarde en dessous la technologie, c'est pratiquement pour tout le monde la même. Nous, avec les Paciodi, on est quand même des autos qui sont un peu exclusives.
on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de référence par rapport aux autres. Donc il faut toujours, il faut inventer, on a nos pièces qui sont spécifiques, la conception de la voiture qui est tout à fait différente. Donc on est obligé, on fait appel à un réseau de petits artisans locaux pour se faire des pièces mécano-soudées, pour faire de la soudure, enfin tout ça. Et puis il y a mon ami Claude Pelin qui s'est occupé de fabriquer toutes les transmissions de cette voiture, depuis la boîte à vitesse jusqu'au cardan, la direction. Qui citer d'autre, Vincent Foucard, qui est le pape du Nissan, qui s'est occupé de faire la cartographie, la mise en route de ce moteur. Voilà, donc c'est une auto sur laquelle pas mal de gens sont quand même travaillé. Le passeport technique de cette voiture, le premier passeport de 1988. Oui, c'est, alors, c'est vraiment l'ancêtre pratiquement des buggy. Mais en fait, il reste l'armature sécurité, des pièces, la forme qu'on a gardée du Pachaudi. Par exemple, cette auto a été élargie de pratiquement 30 cm par rapport à ses débuts. Puisque mais toutes les autos, au fur et à mesure que les agriculteurs achètent des tracteurs de plus en plus gros, il leur faut de plus en plus de place. Les pneus font des empreintes au sol de plus en plus larges ou écartées. Donc nous, si on veut être dans les ornières, on est obligé de se marier avec ça. Il faut qu'on élargisse systématiquement la voiture. La limite, c'est la place sur la remorque pour pouvoir le promener après par la suite. D'accord. Voilà. Donc, même si c'est un véhicule qui date, si j'ai bien compris, on peut lui apporter des améliorations avec les technologies actuelles quand même. Oui, absolument. C'est un véhicule qui est équipé d'une boîte séquentielle qu'on retrouve sur tous les véhicules actuels qui sont commercialisés par les constructeurs. Ouais. Les amortisseurs ont évolué. Au départ, on avait une suspension de Volkswagen. On est passé, comme tout le monde, avec des Ohlins, avec des nouveaux amortisseurs, nouvelle génération. Je l'ai fait évoluer d'année en année. Voilà. Tu m'as dit l'autre jour, c'est quand même une voiture qui se conduit comme un camion. Oui, absolument. Tu as employé cette expression-là, alors explique-moi un peu. Alors, c'est une voiture dont la caractéristique principale, c'est la motricité. Donc, elle est bardée d'autobloquants. Il y en a devant, il y en a derrière, ce qui fait que on ne peut pas, par exemple, si je veux la sortir ici du garage, il faut que je fasse 4 manœuvres pour la sortir. Ma hantise, ce sont les épingles 90 degrés. Lorsque je vois en reconnaissance une épingle, c'est, je pense, un des seuls endroits sur lequel je m'attarde vraiment, parce que je ne veux pas faire de marche arrière, donc je suis obligé de me bagarrer avec ça, quoi. Voilà. Mais c'est la conception de l'auto. Alors, on appelle un camion parce qu'elle est lourde en direction. Elle fait très mal au bras, même qu'il ait une direction assistée. Il ne faut pas que j'en dise trop de mal parce que je veux la vendre. Si j'en parle trop aussi, je ne trouverai pas de client, mais en fait, c'est une voiture qui est un peu exclusive. Voilà. Et qui est un petit peu violente, donc il faut s'habituer à la conduire. Et au vu quand même des avancées technologiques, des modèles aussi peut-être un peu plus performants que celui-là et qui existent aujourd'hui, tu n'as jamais été tenté de passer à autre chose ? Non. J'ai construit à l'époque une voiture pour un client qui a un passeport technique marqué Garat. Mais disons qu'elle correspond absolument à ce que je recherche dans les critères d'une voiture. D'abord son esthétique, qui est taillée à coups de serpe, et puis ses caractéristiques mécaniques. C'est une voiture avec laquelle j'ai très très peu abandonné. C'est une voiture qui a été construite au départ avec une idée simple, d'utiliser le maximum de pièces du commerce. Ce qui fait que on peut encore retrouver de la pièce dans le commerce. L'entretien à réaliser pour un particulier est quelque chose ou un professionnel est quelque chose de très facile. Donc ça correspond bien. Avec cette auto-là, je suis entièrement autonome. Alors on va revenir quand même, on peut dire deux mots du Rallye des Cimes, qui est la 60e édition. Et mon petit doigt m'a dit que ça serait pour toi la dernière course. Alors est-ce que c'est vrai ou non ? Oui, je pense que si je vends l'auto, ce sera très certainement la dernière course. Ouais. Voilà. Alors pourquoi cette décision ? Cette décision, parce que le temps passe, si je compte bien, je fais ça depuis 39 ans. À un moment donné, peut-être qu'il faut que je vois, essayer de voir autre chose. Et puis, physiquement, c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus dur. Ça va de plus en plus vite. On n'a pas les yeux de 20 ans.
Et puis voilà, et puis mon épouse m'a supporté pendant toutes ces années à la maison. Il faut que je fasse quelque chose avec elle. Ah Voilà. oui, d'accord. Ça en fait Donc, partie aussi du deal. Voilà. alors tu as des enfants, on a parlé de Pauline tout à l'heure, tu as un fils aussi, et il n'y en a pas l'un qui va reprendre le flambeau là? Ben peut-être, c'est. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. Peut-être que je leur ferai une auto. Peut-être une auto plus simple, peut-être une auto plus abordable pour un jeune. Mais pour le moment, c'est. Je suis dans une période où j'essaye d'analyser toutes les situations possibles. Voilà. D'accord. Donc Ouais. si tu ne le vends pas, tu continues. Ben, il y en a qui disent qu'il faudrait au moins que je continue jusqu'en 2017. Ça ferait 40 ans de tout terrain. Ça ferait un beau jubilé. Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. Mais officiellement, je rends mon, je sais pas si on appelle mon carnet ou qu'est-ce qu'il faut dire. Ta combinaison. Ma combinaison. Le cuisinier rend son tablier, donc Voilà. toi. Voilà. Oui, le pilote rend sa combinaison. Voilà. Voilà. Et quand il est mécano aussi, c'est sa combinaison aussi. Voilà. Bon, Ouais. très bien. En 2016. Il y a un record qui est à battre, mais je crois que ça va être très, très difficile. Il y a des gens comme Piero Cillo, comme Piero Couillette, Jean Aguerre arrêté, mais Dédé Terrain a tellement d'avance au nombre de participations rarissimes que tu parlais tout à l'heure de gagner, peut-être qu'il faudrait gagner à celui qui a fait le plus de rallyes.